Dans l'épisode précédent d'Ultralune, Donald le Dresseur a réussi à vaincre un Ratatak Super Saiyan grâce à la puissance de Pampers et Messéin Bull. Reste à vaincre l'ultime boss de l'île, mais y arrivera-t-il du premier coup? Je crois qu'il a une super attaque en plus, faut que je fasse attention. C'est quand même dégueulasse de tuer un Pokémon de cette façon-là. Un pauvre petit Magnétine. Il ne me restait plus qu'une seule solution, m'entraîner. Flamyaou, grâce à ses efforts, a réussi à évoluer. Mais ce n'est pas suffisant. Il me fallait un nouveau Pokémon. Brutalibré ! Qu'est-ce qu'il est classe ! Non ! Attends, t'es niveau 9 ? Qu'est-ce que tu racontes, là ? Oh ! Tu vas pas me faire épuiser toutes mes Super Balls non plus. Ah ! Et je vais l'appeler... Vamos a foliar. Pour les hispanophones, vous comprendrez la référence. Ah non. Apparemment, il connaît le terme. Bon bah, on va l'appeler Tacos. C'est parti pour la revanche. Le vieux, c'est parti. Allez. Ah mais il fait le taf. Il fait extrêmement le taf, ce Tacos. Fermeté de Saint Bull qui fait vraiment beaucoup le taf là. Cruel. Ah là 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 là, gros yeux. J'ai gagné. Si. Sur mon petit tacos, ça va faire tellement le taf. Sur ce, je file préparer mon fidèle yacht pour notre traversée, Lily. Tu viens m'aider? Putain, mais le bourgeois! Oh, il a un 100 mètres carrés près de la plage, un yacht. Qu'est-ce qu'il... Mais il est dans... Mais je crois que je vais aller à Kala, Ado de Demanta, plutôt. J'ai bien envie que tu essaies aussi, Donald. Ado de Demanta? Je suis en slip. Beau gosse. Tony Hawk Pro Skaters. Oh là là, je suis pas gosse. C'est lent, c'est nul. Oh, mon dieu. Franchement, les gars, il y a Tony's Pro Skater entre temps. Il y a eu 1080 snowboarding, il y a eu plein de jeux. Comment on pouvait sortir ça? Akala, on y est. Oh, des concombres affreux me bloquent la voie. Mais quelle horreur! Putain, mais c'est quoi cet obstacle en mousse? Ah là là, Euphorb et sa légendaire blouse blanche déboutonnée. Une jeune admiratrice. Les gens qui te rencontrent pour la première fois doivent se poser des questions. Vite, rentre dans ton sac de dos. Relax, City, c'est une amie à moi. Ouais, bien sûr, une amie. We all know. Bienvenue à vous, les enfants. Je m'appelle Alixia. Yop, moi, c'est Barbara. Je suis une des capitaines du coin, je sais, ça en jette. Et ils ont rien changé. Ils ont pas changé les leaders, rien. Rien à foutre. On te met le même jeu. Tu veux bien nous y accompagner? Alors là, en fait, elle me propose d'aller dans les ruines pour aller voir un nouveau gardien. Parce que Doudou m'apprécie apparemment. Donc, elle m'attend à l'hôtel Embrun. C'est parti. Oui, en gros, j'ai 200 mètres à faire, quoi. Tu veux pas le faire avec moi? Tu sais, je pue pas à la merde, hein. Oh, il a un petit anus! Oh, vous avez vu l'anus? Oh. Regarde ça! Qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau lieu! Oh. C'est Pikachu! Viens par toi! Ils sont trop mignons! Je vais tous les capturer et enfermer les esclaves pour draguer les filles dans la rue. Pika, pika. Oh, le mec fait des tractions sous sa caisse. Je veux le combattre. Ça, c'est un vrai alpha mâle. Oh, haha, zut, j'ai perdu en beauté. Dark Sasuke. Tu t'es pris notre combat. Tu n'as pas pris notre combat au sérieux. Mais si, sérieux, je me suis bien amusé. Amusé?
Tu te crois où? Dans une cour de récré? Un combat Pokémon n'a aucun intérêt si on ne donne pas tout ce qu'on a. Tu vois que tu es plutôt méfiant. Tant mieux. La vie est un combat, ne baisse pas ta garde. Mec, t'as 11 ans comme moi, qu'est-ce que tu vas me donner des leçons de vie, monsieur Gladio? C'est pourquoi je me bats encore aux côtés de Type Zero. Pour atteindre mon but, tous les moyens sont bons, y compris travailler pour la Team Skull. Oh là là, quel méchant! Oh, le Type Zero arrive! Il entre en jeu. Il va se faire démonter en un coup. Kosbriku! Il est fort. Il utilise charge. Quelle puissance! Très étonnant de la part d'un Pokémon d'utiliser charge. Allez, meurs. Bon, allez, c'est parti, on va pouvoir botter le cul au Pokémon dominant. On est fin prêt. Alors comme ça, tu es une fille, Nephi. Bonjour, je suis Nephi, la capitaine de la capitaine Colugle Clapouti. Êtes-vous prêt à relever mon épreuve? Oui. Début de l'épreuve. C'est parti, allons affronter le Pokémon dominant. Oh, mon dieu, que se passe-t-il? J'ai peur. Non, c'est pas possible, ils se regroupent. Ils vont former. Oh. Ah oh bah... En fait, non. Wow. Normalement, c'est un gros fou sardine qui t'indique. Mais là, ils ont changé. Putain, c'est pas mal. Tarambule dominant. La belle surprise. Well done, Tacos. Tu as réussi. Bravo, Donald. Vous avez réussi mon épreuve avec brio. Pouvez-vous revenir ici, s'il vous plaît? Je suis un dominant maintenant. Non, 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 non. Putain, mon poing brûle. Shoryuken. Donc, je disais, on va aller pouvoir bouger les simularbes qui sont juste à ce niveau-là. Voilà, allez dégager les copains. Nous n'avons aucune chance de remporter un combat Pokémon si nous n'aidions pas d'avoir les Pokémon en question. Ceci dit, nul besoin d'avoir recours à ces étranges Pokémon d'Alola. Soli, à te tuer. Accepterais-tu de m'affronter lors d'un combat Pokémon? Allez, c'est parti. Au moins tu demandes, toi, t'es pas comme ces regards, ces dresseurs qui te regardent. Ils te calculent, hop, bataille de regard, ils te sautent dessus. Toi tu demandes, tu es poli. J'apprécie. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une poule, mais c'est quoi? Oh. C'est censé être une Ultra Chimère, mais on dirait un Pokémon. Bon. Eh bien... Je ne sais pas pourquoi, mais la lumière émise par ton super bracelet Z, elle me rend étrangement nostalgique. Pensez-vous qu'il s'agisse de la même lumière qui éclairait nos ancêtres, celle qui venait du grand radieux? Qui sait? Après tout, c'est pour cela que nous, l'Ultra Commando, nous sommes venus mener l'enquête ici. Est-ce que ça se fait... Est-ce que je peux faire cette blague en 2017? Non. Mon dieu. Bourri, bourri, chichi. L'adresseur, tu peux me filer un coup de main, me fouet? N'aie point de peur, je vais pas te manger. Ouch, ouch. Attends, des wesh et des campagnards qui se parlent. Je vais éviter de faire l'accent parce que vous détestez ça. Moi j'adore, mais bon, hein. Et surtout... c'est insupportable. Oh, c'est le parc volcanique. Ça me rappelle de terribles souvenirs dans Soleil et Lune où j'avais capturé... espèce de lézard, là. Je sais plus comment il s'appelle. Et qui n'évolue que s'il n'est qu'une femelle. Sauf que je ne savais pas. Donc j'ai passé toute mon aventure à XP un Pokémon qui servait à rien. Voilà, ça c'est la très bonne idée de Pokémon. Encore s'il y avait eu moyen de changer son sexe, tu vois, je dis pas, mais... Quoi, c'est déjà l'épreuve? Ah bah si, pas très bien. Bah, c'est rapide. Tu es donc venu. Ça se voit peut-être pas, mais j'étudie les danses traditionnelles d'Alola avec mes ossatueurs. Mon épreuve est différente de celle que tu as vue jusqu'ici. Mais tu es prêt à relever le défi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait! Bon, bah, avec une équipe déjà bien amochée, on va s'amuser. Mon dieu. Bon, bah, je crois que le game over, il est consommé. Waouh! Bah écoute, moi ça me base, hein. On peut se faire un petit Léviathan. Je vais l'appeler Pollock parce que c'est une carpe. Oh, Magikarp est volé. Magikarp, Magikarp, je prends mon Léviathan. Pollock, j'ai toujours cru en toi. Merci.
puissance du dragon va se déchaîner sur le Pokémon dominant maintenant. Prie pour ta vie. Ah mais c'est génial ça, j'ai un Pokémon haut mais j'ai aucune attaque haut. Ah bah c'est bien, cool. C'est l'heure de la revanche. Pokémon dominant, me voici. Oh non. Allez, résiste. C'est bon. C'est fini, Malamandre. Un tunnel. Mais vais-je marcher pendant des heures comme dans Metal Gear Solid 3? Il semble que oui, avec des méchants au bout. Bonjour. Que se passe-t-il? Le niveau d'aura ne cesse de grimper. Donald, aloha à toi. Bah ils sont gentils en fait. Il est bien beau ce tunnel. C'est fou tout ce que les humains peuvent accomplir avec l'aide des Pokémon. Par ma moustache, je crois que je tiens une théorie. Les habitants d'Alola au cours de leurs îles défient les Pokémon dominants. Or, ces Pokémon sont enveloppés d'une aura. Et si au cours des combats, l'aura de ce Pokémon dominant finissait par affecter les dresseurs Mais dis donc, jeune homme, je vois que tu as plus de cristaux Z qu'auparavant. Es-tu maintenant capable d'utiliser les capacités Z? La lumière émise par les capacités Z est identique à celle qui bénit notre monde jadis. On n'utilisait pas cette énergie pour combattre, mais elle nous était très précieuse. Captain Sin, nous devons nous mettre en mouvement à leur approche. Notre technologie est peut-être l'une des plus avancées, mais d'où nous venons adapter si nous utilisons... Pour cela, nous avons décidé de solliciter l'aide d'un éminent chercheur de pokéologie. Oh, un nouveau mot. Pardonne mon impolitesse, mon nom est Nikolai. Je mène des recherches sur le sujet suivant. Comment relever le potentiel caché des Pokémon? En résumé, j'essaye d'identifier ce qui fait d'un Pokémon utile ou non toute sa puissance. Oh, nous oursons. Putain, mais je l'avais cherché des heures dans ma partie de Soleil et Lune. Et là, genre, je le trouve direct. Voilà. Putain, je suis dégoûté. Mais j'en ai pas besoin vu que j'ai déjà pas mal de types combat. Mais pourquoi tu m'emmènes là? J'ai pas envie d'aller dans la place festival. Non, non, c'est bon. Tu sais, parfois dans les jeux vidéo, on te pose une question et tu veux pas progresser, t'as pas donné la bonne réponse. Mais je veux m'en aller, allez. Mais j'en ai rien à foutre de ça, putain. Je veux partir de cet endroit, je veux continuer ma quête. Passe-moi que je t'ai eu. Ça continue. Ça ne veut pas s'arrêter. Arrête-toi. Je m'en bats les couilles. Mais c'est super. Ça fait 15 minutes que j'y suis. Oh, mais c'est nerveux. Ah, c'est bon. Oh mon dieu. Tilly, c'est le pire boulet. J'arrive, il drague une meuf, je me dis putain, ça va être drôle. Il m'emmène dans le 7ème cercle de l'enfer. Et voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Donc on a 4 Pokémon maintenant dans l'équipe avec le Poc qui vient de nous rejoindre. On a battu le Pokémon dominant, ça s'annonce bien pour la suite parce que la prochaine fois il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de Pokémon à déglinguer. Et ça, ça fait plaisir. Merci de suivre ce let's play. N'oublie pas le petit pouce bleu de l'amour. Ainsi que la petite cloche. Il faut nous suivre sur Pokémon Flash. Comment tu seras averti que la suite arrive? Il faut le savoir. Voilà, merci beaucoup. Allez, ciao !